بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amis téléspectateurs, nous avons choisi, décidé à partir d'aujourd'hui, d'étudier cette fameuse oraison d'adieu ou discours d'adieu, khutbatul wada', du prophète alayhi salatu wassalam. Nous allons tenter de l'analyser et de voir aussi la portée de ce discours en cette aube du 21e siècle pour les musulmans du monde. Pour faire cela ou pour ce faire, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau ce soir messieurs Mohamed Bardouane et monsieur Mesoud Boujnoun. Messieurs, salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commencerai par vous, comme d'habitude. Alors avant même de parler de cette oraison d'adieu elle-même, quelle importance peut avoir le discours religieux, surtout à cette époque-ci? Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Évidemment, le verbe, pour utiliser un terme très ancien, avant d'utiliser ces termes d'oraison, de discours, de serment, etc., c'est le véhicule de la transmission de la pensée de celui qui ordonne, décide, oriente, etc., vers celui qui apprend, qui doit exécuter les ordres. Donc, le discours est très important. En ce qui concerne la religion, que ce soit le verbe divin, que ce soit le verbe prophétique, le hadith, il faut savoir que c'est la révélation. Et la révélation est entourée du sceau de la certitude. Il n'y a aucun doute ni sur la véracité du discours employé. Tout individu qui mettrait en doute, par exemple, n'importe quel mot du Coran ou n'importe quel ayah, verset du Coran ou n'importe quel surah du Coran serait considéré comme étant sorti de la religion du prophète Mohammed alayhi salam. Salam, salam. Il n'en est pas de même, évidemment, des traditions verbales du prophète alayhi salam, parce que un certain nombre de ulama, tels que l'imam Ahmed, pouvaient apprendre par cœur 1 million, on nous dit, de hadiths, mais sur le 1 million de hadiths, il n'y a certitude absolue, authentification, autant que faire se peut par les maîtres les plus méticuleux de la tradition prophétique, tels que Al-Bukhari ou Muslim. Al-Bukhari était l'un des élèves de l'imam Ahmed, ouais. Signalons-le. Donc, ils vont nous offrir entre 4000, parce qu'il y a des répétitions de leurs traités, etc., entre 4000 et quelques traditions non répétées, jusqu'à 7 à 8000. Mais avec ça, les savants de la foi, du dogme de la foi, vous diront que si vous mettez en doute une tradition, ça ne modifie en rien votre foi, mais renie la totalité de la tradition du prophète, oui. ça remet l'authenticité de votre foi. Donc, le discours est très important. Le prophète, c'est vrai, nous a laissé un certain nombre de traditions qui sont du geste. Il a fait un certain nombre de choses. Oui. Et il faisait ceci, il faisait cela, il s'abstenait de faire ceci, etc. Et il a laissé aussi des acquiescements tacites. Oui. Ce que nous appelons sunnat taqririya. Il a vu faire, il a entendu faire un certain nombre de choses. Approuvé. Voilà, et approuvé tacitement, c'est-à-dire qu'il ne serait jamais tu. Oui. Sur quelque chose qui serait en contrario des orientations religieuses. Et puis, il y a évidemment la masse la plus importante de ce verbe prophétique qu'il nous a laissé. Oui. Il faut savoir que lorsque le prophète alayhi salam parle, c'est révélation. Simplement, cette révélation, nous l'avons dit dans cette émission auparavant, elle se répartit sur 3 catégories. Vous avez la révélation qui est la transmission par le prophète alayhi salam du verbe divin qui a pour objet, qui est le Coran, oui. Et qui est dans sa forme et dans son fond, venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis vous avez un certain nombre de traditions dites des hadiths divins. Hadiths divins dont le fond, l'esprit du verbe
est d'origine divine, c'est révélation, mais la forme a été donnée par le verbe prophétique. Et la différence entre le divin, le hadith divin et le Coran, c'est cette histoire de sacralité. Il n'a pas Voilà. cette Et puis vocation du Coran. on n'adore pas Dieu. En On lisant adore un Dieu en hadith. lisant le Coran et en récitant le Coran dans nos prières, mais on n'adore pas Dieu en récitant dans nos prières, par exemple, On ne peut les pas le faire traditions d'ailleurs. sacrées. Sacralité et le style aussi, Et le hein, le style style du Coran diffère beaucoup diffère. du style des hadiths Le qudousi. second est un style Voilà. prophétique. Tout à La fait. forme est Voilà. prophétique. Et puis Voilà. vous avez des traditions, c'est-à-dire le verbe prophétique. Effectivement, c'est une révélation. Là, il y a un terroir. On parle ici de sunna, soit qawliya ou fi'liya, c'est-à-dire les propos Les et propos les et actes. les actes du prophète, il ne peut pas y avoir un doute quand il y a authentification certaine que ça émane de la bouche du prophète. Et ça, il faut le savoir qu'il y a des maîtres à travers les siècles de la civilisation musulmane qui se sont attelés toute leur vie à établir des paramètres d'une rigueur étonnante Oui. pour vérifier véritablement non seulement la ligne de transmission, si elle est fiable, et d'autre part, établir si ce verbe vient véritablement de la bouche du prophète alayhi. Donc voilà les trois catégories. Le discours est très important. Et là, nous allons parler dans cette émission de cette grande occasion qui a été donnée au prophète alayhi en l'an 10 de l'Égypte, puisque le pèlerinage il est devenu obligatoire qu'à la fin de l'an 9 de l'Égypte, par révélation. Donc l'occasion a été donnée. Devant, certains disent, évidemment, il n'y avait pas de statistiques. Hein. Maintenant, il y a toujours des conflits quand il y a On parle de quelques 100 000 personnes. 100 000, 140 000, jusqu'à 120 000, 140 000. 140 000. Il faut Ouais. savoir que lorsque l'information a été donnée à Médine, que le prophète allait par lui-même diriger le pèlerinage cette année, Tout le tout le monde a monde s'est afflué. présenté, tout le monde a voulu participer, etc. Donc, c'était une occasion très importante de faire entendre. Par les moyens qui existaient à l'époque. Hein. Il n'y avait Oui. pas de microphone, il n'y avait pas de haut-parleur, il n'y avait pas d'autres moyens de transmission, de transmettre directement du prophète alayhi les recommandations que, évidemment, plus tard, quelques mois après, lorsque le prophète nous a quittés ici-bas, on l'a appelé comme étant le dernier discours, le discours d'adieu, l'oraison d'adieu, etc. Parce que c'était. Mais les gens très intelligents quant au verbe prophétique avaient déjà senti dans l'intonation de la voix et les mots choisis par le prophète alayhi. Que tel qu'Abou Bakr sentait, Oui. il avait compris que c'était un discours d'adieu d'emblée, parce que certaines choses ont été dites avant la révélation coranique qui juste pendant le même pèlerinage, dire au prophète, là c'était quelque C'était chose de très clair, que oui. la mission était La finie et confirmation. qu'il n'allait plus rester parmi les hommes. Donc bon, ceci nous donne déjà une idée de l'importance même du discours, parce que finalement, le plus grand miracle du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un verbe, c'est le Coran. Donc c'est un discours divin. Maintenant, moi actuellement, est-ce que je peux me contenter d'une bonne maîtrise des versets et des hadiths, les apprendre par cœur et parler, partant du principe que c'est là une vérité absolue? Actuellement, ce discours suffit-il? Qala Allah, qala Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Sans expliquer, sans revenir, sans faire de relecture par moments qui seraient inhérentes à l'époque même où nous vivons. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين C'est vrai que le prophète صلى الله عليه وسلم avait cette faculté justement de dire, il a même dit dans un hadith Utaytu ma jami' al-kalam, j'ai reçu la faculté de dire beaucoup de choses en si peu de mots. Oui, Voilà. Jawami al-Kalim, oui. Voilà, donc le serment ou l'oraison de l'adieu, justement, en fait partie. Il est très court comme discours, mais il est plein d'enseignements. C'est vrai, pour revenir à votre question, et il faut le dire, soit dit en passant, vous avez cité
ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna min al-bayan ila sihr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu un jour un grand poète qui s'appelait l'Abid, qui disait, il a cité un vers devant le prophète, il a dit, ala kullu shay'in ma'ad Allahu batilun. Ma khallahu batilun. Ça, c'est un poème de l'errante islamique. Oui, de l'errante islamique, justement. C'était avant d'aller à Médine. Voilà. Et ala kullu shay'in ma khallahu batilun. Elle a comment dire, plaisir, elle a jouissance, plaisir, mouta'atun, za'ilatun. Voilà. Et le prophète sallam, tous les plaisirs sont effets. Voilà, le prophète sallam a dit, khayrul kalam ma qalahu labid, yani ala kullu shay'in ma khallahu batil. Oui, parce que voilà. C'était c'est la formule du monothéisme, du oui, pur monothéisme. Oui. Voilà. Là signalons aussi que le prophète alayhi salatu wasalam détestait la poésie. Oui, bien sûr, on l'avait accusé d'être un poète. Oui, et on rapporte de lui qu'il n'a jamais lu je dirais un vers pour traduire. Il n'a jamais lu un vers en entier ou une strophe en entier. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il se contentait de citer juste une partie d'un bait, de ce que nous appelons bait, qui un est vers, formé de voilà, deux parties, deux strophes en quelque sorte. Sadrul bait wa id sur. Voilà. Alors pour revenir à votre question, justement, actuellement, c'est vrai, dire que Dieu a dit ou le prophète a dit en citant leurs propos, ne suffit pas, il faut oui. il faut le dire. Donc il faudrait argumenter, expliquer sur parce que vous savez avec le temps les gens n'arrive pas à percevoir comme auparavant le discours religieux dont avant il y avait quand même des écoles spécialisées, des zawiya qui où on apprenait le Coran, on apprenait les hadiths, où on apprenait les règles et les subtilités de la langue arabe, où on apprenait les sciences religieuses, la théologie, le hadith, l'exégèse, etc., etc. Maintenant, c'est bon. À part, il y a des écoles spécialisées, c'est des facultés, mais pour le commun des gens, la chose n'est pas accessible. Voilà, c'est une chose qui n'est pas accessible à pour tout le monde. Donc l'imam ou celui qui fait le prêche ou l'oraison ou le serment, le discours religieux doit essayer premièrement de faciliter autant que faire se peut le discours religieux et essayer de l'expliquer aux gens et aussi argumenter. Il faut argumenter. Nous avons quand même des références religieuses, nous avons des références scientifiques, nous avons des références sociales, des références économiques, etc., etc. Donc, celui qui fait un discours religieux doit essayer à chaque fois d'argumenter son discours avec des faits et des faits concrets et se référer à son époque. C'est-à-dire au contexte dans lequel il vit, ainsi que son auditoire. D'accord, très bien. Mais j'ajouterais quelque chose pour le discours religieux. Il a comme spécificité, s'il veut être porteur et positif, d'être prononcé, si on peut utiliser le terme, par une personne en laquelle vous ne faites aucun doute sur la valeur de sa foi et la valeur de sa science. Oui. Vous pouvez entendre des discours tenus pendant des heures par un individu qui, par ailleurs, vrai ou faux, vous avez des informations négatives sur sa personne, ça ne sera d'aucun effet sur vous. Oui. Mais vous entendrez un hadith qui peut se résumer verbalement en 30 secondes. Et il va remuer en vous des sentiments multiples en fonction du hadith, en fonction de l'individu qui le dit. Et je donnerai un exemple. J'étais adolescent
17 ans, 18 ans, et j'ai eu l'occasion de m'asseoir dans des cercles réduits avec Cheikh Charaoui dans les années, rahimahoullah, dans les années 76-68. Cheikh Al-Achmaoui, tous les deux Qui était représentaient égyptien, oui. Égyptiens qui représentaient l'Azhar à Alger. Abdelhalim Mahmoud aussi qui est venu Vous, en le, vous Algérie. les entendez pendant quelques minutes, c'est tout Ça suffit. votre être qui change, Oui. parce que vous savez, est-ce qu'on peut appeler ça un fluide? Vous avez toute cette science, cette foi qui est transmise en quelques mots. Vous pouvez lire des encyclopédies par ailleurs, Ça ça ne nous fait fait aucun effet. ni chaud ni Il froid. faut, il faut pas oublier aussi que l'imam Ali, karamallahu wajhahu, il dit voilà, pour rendre ce que j'ai dit. Nous Donc, avons même parler aux gens Oui. en fonction de leur capacité de compréhension. Oui. Voilà. Donc, Il y a même enfin, quand on condense tous les hadiths inhérents au sujet, je ne dirais pas que c'est un hadith tout court parce que beaucoup mettent en doute justement le fait que ce soit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dans l'ensemble, il faut justement connaître bien l'auditoire et puis parler aux gens en un langage qu'ils peuvent comprendre. Tout à fait. Cela dit, et avant même d'entrer justement dans ce fameux discours d'adieu du prophète alayhi salatu wassalam, beaucoup de nos frères vivant à l'étranger ont un sérieux problème, surtout notre communauté en France qui est peut-être à sa cinquième génération. Nous savons que au niveau des quatre imams, trois d'entre eux sont d'avis que le discours du vendredi doit être prononcé en langue arabe. L'imam Malik, l'imam Malik Shafi'i et l'imam Ahmed. L'imam Abu Hanifa, qui était d'origine non arabe et qui était peut-être beaucoup plus apte à comprendre les attentes des gens qui n'étaient pas arabes de souche, a dit qu'on pouvait faire l'oraison en une langue autre que la langue arabe. Actuellement, nous avons des musulmans qui veulent nous faire croire, ou comme si ce que disaient les quatre imams était parole de Coran, que voilà, la yajuzul khuruj ala ijma'i al-a'immati al-arba'a. Nous n'avons pas le droit de choisir un avis autre que celui Consensus, des quatre imams quand il fait consensus. Bien que cet avis ne fait pas consensus, eux vous diront, c'est ra'il jumhur, c'est l'avis de la majorité. Et à partir de là, certains veulent que, même si vous êtes en France, par exemple, l'oraison doit se faire en arabe, quitte à ce que personne ne comprenne, n'y comprenne Et c'est ce qui irait malheureusement. C'est ce qui absolument rien. irait. Alors, qu'en pensez-vous réellement? Parce que c'est un sérieux problème. Et Oui. vous avez déjà Oui, fait oui, là-bas oui. des. Récemment, quelqu'un qui avait fait la prière du vendredi dans une des mosquées de Nice, il avait remarqué que la majorité des pratiquants musulmans de cette mosquée étaient d'origine non arabe, essentiellement africaine. Et les deux serments même, Oui. ont été prononcés en langue arabe. Et il m'a dit, mis à part moi et quelques Algériens dans la salle, personne n'avait compris ce qu'avait dit l'imam. C'est prêché dans le désert. J'ai suivi la prière du vendredi dans la principale mosquée de Genève. Le premier serment a été fait en arabe, le deuxième a été fait en français. À Londres, le serment est aussi le premier en arabe, le deuxième en anglais. Ou bien vous avez quelques minutes juste avant la prière du vendredi ou après la prière du vendredi, vous avez quelqu'un qui vient traduire en anglais ce qui a été Et prononcé. pourquoi ne pas le faire directement en Alors, anglais ou en il y a français? le problème qui se pose, c'est l'appréciation de l'utilisation de la langue arabe dans le sermon du vendredi. Il y a un certain nombre de personnes qui vous disent, c'est un acte de cultuel. Oui, c'est vrai. Et l'acte cultuel, c'est comme faire la prière du vendredi, deux rak'at, deux génuflexions, être Oui, debout, vous ne etc. pouvez rien changer. Donc, il n'y a pas d'interprétation à être utilisée. Et puis, il y a des gens qui vous disent, non, il faut voir le but final de ces serments de la prière du vendredi et l'utilité d'utiliser une langue qui soit comprise par les gens qui fréquentent cette mosquée plutôt qu'une
langue liturgique, comme on dit, qui vous donne ce sentiment de sacralité, parce que c'est la langue du Coran, c'est la langue du prophète, c'est la langue des gens du paradis, etc., tel que le prophète a décrit la langue arabe. Donc il y a un débat. Qu'il faut garder dans un des deux serments la langue arabe pour donner cette image dimension. De sacralité, cette dimension culturelle. Autrement, on risque d'aller vers les dérives au bout de quelques siècles, etc. Et en même temps, rappeler aux musulmans, quelle que soit leur origine et leur langue d'origine, que tout de même, la clé de la culture islamique reste la langue arabe. Et si vous maîtrisez la langue arabe, vous avez cette possibilité d'accéder directement au Coran, au Hadith et aux autres sciences et entrer à la religion. Un accès direct, pas par l'intermédiaire de quelqu'un qui ferait une traduction, et on a parlé des traductions qui peuvent être plus ou moins fidèles. Et puis, le deuxième serment serait dans la langue comprise par les gens qui fréquentent. Ça peut être du falici, ça peut être du turc, ça peut être du français, ça peut être de l'anglais, etc. Ou bien réserver quelques minutes pour la traduction, mais pour la traduction des deux serments. Mais là, évidemment, ça serait ajouté de manière délibérée et on n'a pas le droit d'imposer à la communauté des pratiquants du vendredi de leur imposer un temps supplémentaire d'audition. Parce que vous savez que l'audition de l'imam, le fait que vous entendez l'imam, c'est un acte cultuel. Oui. C'est-à-dire que même si vous êtes assis dans un endroit de la mosquée qui ne vous permet pas d'entendre exactement ce que dit la mosquée, c'était le cas dans les siècles passés où il n'y avait pas ces moyens de sonorisation, vous deviez vous taire, vous deviez vous orienter sur l'imam et attendre la fin des sermons parce que ça rentrait dans l'une des explications qui est donnée dans certains rites du pourquoi la prière du vendredi se résume en deux génuflexions alors qu'elle remplace la prière Tadhur qui fait quatre génuflexions. C'est que les deux sermons remplacent les deux rakaat, etc. Donc, je pense qu'on peut résoudre le problème en gardant la sacralité de la langue de la révélation dans un des sermons et répéter dans la langue que comprennent les bosniaques ou les turcs ou les turcophones ou les... Le wolof pour les africains. Ou le français, ou l'anglais, ou l'allemand, ou l'italien. J'ai suivi la prière du vendredi dans la mosquée de Rome. C'était en langue arabe, mis à part les arabes qui étaient assis dans la mosquée. Personne n'a rien compris. Ici, ils maîtrisent déjà la langue arabe. Oui, déjà les nôtres ici ne maîtrisent pas. Voilà. Quoique bon, ici en Algérie, comme l'a dit, si bien dit une fois un imam, il y a aussi un petit jeu malsain. Parce qu'il y a un imam qui s'est adressé une fois à son auditoire et il leur a dit, vous plaignez tous de l'oraison du vendredi que vous ne comprenez pas. Un arabe classique. Alors que vous suivez tous Shanfara et vous comprenez tout ce qu'il dit. Il y avait à l'époque une série de Shanfara qui est... En arabe classique. Arabe anté-islamique, Shi'r al-Jahiliya qui est... Donc, bon, il y a aussi beaucoup de gens qui ne veulent pas faire justement cet effort. Mais là, croyez-moi, en Europe, les musulmans ont un problème justement avec... Le problème se pose. Mais comme le rappelait dans une émission précédente, c'est Boujnoun, une émission à laquelle j'étais convaincu. J'ai eu des empêchements pour y aller. C'est pas le seul problème des musulmans en Europe. C'est clair, oui. Parce que quand ils rentrent dans une mosquée, ils savent plus à quel temps faire leur prière parce qu'ils ont au moins trois agendas, trois annuaires et puis toutes les variantes, toute la gamme d'interprétation de l'islam qui se voit de manière visible et audible dans les mosquées en Europe, l'un qui vous recommande ceci, l'autre qui vous recommande cela comme étant le cœur de l'islam. Hein. La vérité vraie. Voilà. Il m'est arrivé de faire la prière de l'Aïcha après 11h du soir. Moi qui suis voyageur, il n'y a pas de problème, mais pour les gens qui travaillent, vous imaginez faire la prière presque minuit et se lever le matin à 5h du, du matin, c'est pas évident. Hein. C'est pas du tout. C'est pas une sinecure. Hein. Alors, pour revenir justement maintenant à Khutbat al-Wada, ce discours d'adieu, oraison d'adieu du prophète, alayhi salatu wassalam,
Et là, alors on dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour des raisons justement d'audition, a chargé entre autres Bilal al-Habashi, qui était l'un des muezzins, Ouais. et un autre grand sahabi, lui parler. Son oncle. Parce que L'Abbas, Fadl kan indou un son, il sent que il avait un l'Abbas ibn oui, Mottah. Oui. son oncle. Alors lui parlait et les deux étaient chacun dans un côté et répétaient Des à haute voix. porte-voix. C'était des Mais porte-voix du prophète avant sallallahu cela, il avait ordonné à Jabir ibn Abdallah de dire à tous les présents de se taire et de garder le silence. Il Oui. était monté Voilà. sur sa chamelle aussi. Oui, après il était monté sur sa chambre, mais pour Oui, dominer là aussi, l'assistance. d'accord, très bien, justement, ça c'est un détail de taille, parce que finalement, le discours d'adieu, la partie centrale de ce discours s'est déroulée sur le mont Arafat, C'est donc moi, en fait, il oui. n'était pas sur sa chamelle. Mais nous avons des bribes. Oui. Qala Rasulullah fi hajjatil wada', il a dit dans son pèlerinage d'adieu telle et telle chose alors qu'il était sur sa chamelle. C'est-à-dire qu'il a parlé, il a prononcé un discours. Ensuite, même quand il est descendu, par moments, il s'arrêtait devant les gens et donnait des consignes apparemment. Certains ont tout regroupé en un discours, mais nous avons quand même un discours qui est ce qui nous est rapporté par exemple, Ibn Hisham et Ibn Ishaq. C'est ce que nous allons dire, c'est ce qui a été prononcé sur le mont Arafat, pas plus ni moins. Alors le prophète, M. Boujnoun, commence par dire aux gens, écoutez ma parole, car je ne sais si je puis vous revoir en ce même endroit après cette année-ci. Aux gens. Nous avons différents types de discours, autant dans le Coran que dans la tradition. Il y a aux gens, Ayyuhannas, ô vous qui avez cru, Ya ayyuhalladina amanu. On ne trouve dans le Coran qu'une seule fois Ya ayyuhalladina kafaru. La ta'tadiru al-yawm. Et c'est un discours qui est réservé aux mécréants, aux gens. Mais dans la plupart des c'est les gens ou les Ou croyants. les croyants. Voilà. Alors, aux gens ici, si l'on se réfère aux règles même de la rhétorique, quelle portée ça peut avoir aux gens? Pourquoi pas aux croyants, puisque il était entouré essentiellement de croyants, puisque une année auparavant, C'était le le pèlerinage. prophète, oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bon, alors là pour aussi recadrer les choses, il y a eu le pacte d'El-Hudaybiyah qui devait porter sur 10 ans. Il n'a été respecté que pendant 2 ans, un peu moins de 2 ans, hein, plus Voilà. ou moins de 2 ans Voilà. par les polythéistes. Et c'est donc en l'an 6 qu'a eu lieu le pacte d'El-Hudaybiyah. En l'an 8, la Mecque a été conquise. Conquise. En l'an 9, Abou Bakr c'est avait dirigé le pèlerinage. Ouais. Là aussi, nous allons y revenir parce que c'est un détail concernant le Et temps. c'est à ce moment-là qu'a été révélée la sourate Bara'a. Voilà, donc, Bara'a, et puis il y a Innamal Mushrikuna Najasun, voilà. les chrétiens ne sont qu'impuretés. On parle ici Non, les d'impureté. mécréants. Les Les mécréants. mécréants, et pardon, les mécréants. En plus, il n'y avait pas de chrétiens là-bas. Tout à C'est ça le fait. problème. Donc, les mécréants, non, parce que pourquoi j'ai dit chrétien? Parce qu'une fois, il y a un chrétien qui m'a justement parler justement de ce verset, comment osez-vous dire de ceux qui ne sont pas musulmans qui sont impuretés? J'ai dit, on parle ici d'impureté virtuelle et non d'impureté physique. Tout à fait. Parce que pour beaucoup, nous avons une idée que ces gens-là sont. Non. Parce que l'enceinte, elle est sacrée. Elle est Voilà. sacrée. Donc. Et le prophète, selon ce que je sais, et corrigez-moi, a chargé à Ali ibn Abi Talib D'aller d'aller proférer cela, voilà, d'aller l'annoncer à tout le d'aller monde. réciter ce verset. Et il a dit, la wala yatoufu bil beyti, donc personne, aucun mécréant ne devait pénétrer l'enceinte, wala yatoufu bil beyti uryan. Voilà. Parce que les gens, ceux Ce qui n'habitaient pas dieu la Mecque, ouais. avaient pour habitude c'était une forme de Y compris les sacralisation. femmes, hein, ce qui Oui. était. Ce qui était. On enlevait les vêtements et on faisait la circumambulation, Voilà. c'est-à-dire le tour tawaf, en étant carrément dévêtu. Donc, le prophète s'adresse essentiellement à des musulmans. Pourquoi cette portée aux gens? Moi, je pense que, premièrement, il y avait pas uniquement des musulmans, parce que, vous savez, la Mecque venait d'être conquise, hein, 2 ans, 2 ans, 2 ans, 2 ans, voilà, deux ans à 2 ans. peu près, oui. Donc, C'était l'an 10. il y avait forcément des gens qui n'étaient pas encore musulmans, je veux dire, qui n'étaient pas encore peut-être convaincus par l'islam.
Et deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'interro anil hawa, savait que son discours, d'ailleurs il a dit Oui, le que le représentant présent d'entre d'entre vous vous peut, oui, Ça, c'est dans une autre tradition. c'est-à-dire qu'il se pouvait que ceux qui sont présents d'entre vous fassent parvenir ce discours à ceux qui ne le sont pas. Voilà. Et puis il a dit, d'autant plus qu'il y a que beaucoup de ceux qui auront ce message seront plus à même de le comprendre que ceux qui le leur ont fait Voilà, parvenir. tout à fait. Donc, j'imagine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est Dieu est plus savant, comme disent les muhaddithis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait que son serment, que son oraison allait traverser les siècles, bien sûr. Et donc, lorsqu'on lit d'ailleurs, lorsqu'on lit les aspects de son discours, tous les points de son discours, c'est un discours universel, hein. Nous allons y revenir d'ailleurs. C'est un discours universel qui ne s'adresse pas uniquement aux musulmans. Il Oui. parle des droits de l'homme, il parle des droits de la femme, l'égalité entre l'homme et la femme. Il parle de l'interdiction du prêt, L'usure, bien sûr. voilà, usuraire. Donc, c'est un discours qui est universel. Et qui au-delà déjà des croyants, s'adresse À toute à toute l'humanité. l'humanité. Très bien. La première recommandation est la suivante. Aux gens, votre sang et vos biens vous sont, jusqu'à ce que vous rencontriez Dieu sacré, comme le sont pour vous, ce jour et ce mois. Et vous rencontrerez votre Seigneur qui vous interrogera sur vos actes et Dieu, mes témoins, que je vous ai transmis. Donc, inna dima'akum wa amwalakum alaykum haramun. Il a un tel qu'il y a des variantes, évidemment. Dans le... Évidemment, il faut Là, on savoir. commence par le sang et les biens. Alors, Sont-ils à la même hauteur en islam, en termes de sacralité, déjà? il faut savoir que l'individu est sacré pour son frère, être humain, c'est pour ça qu'il renaît. De manière globale, hein. C'est-à-dire Parce que pas uniquement vous pour le n'avez pas à musulman, tenter bien même à la sûr. vie d'un non-musulman Oui. sans raison juridique valable. Vous n'avez pas à tenter à sa vie, ni à ses biens d'ailleurs. D'accord. Souvent, Et à ça son va. honneur aussi. Souvent, on me dit, écoutez, vendre des produits alcooliques ou de la drogue à des non-musulmans, est-ce que c'est licite? Écoutez, si nous estimons que l'interdiction provient d'une raison sensée, parce que ces produits font du tort à l'organisme humain ou à la raison humaine, nous devons respecter, que ce soit parmi nous les musulmans, que ce soit entre nous et les non-musulmans. Il n'y a Et pas nous ne lieu de sommes pas faire dans ça. la même optique que les Juifs, par exemple, qui Surtout, oui. s'interdisaient l'usure entre eux et qui se la permettaient avec les gentils. Oui. C'est-à-dire Les goy, les les accos. non-juifs. Voilà, oui. Donc, comme le jour de la résurrection, à titre individuel, dans la pratique religieuse, la première chose sur laquelle nous serons questionnés, est-ce que nous avons été attentifs à son accomplissement ou pas, c'est la prière. Oui. Si elle est valable et acceptée, le reste est vu avec beaucoup de clémence et beaucoup de mansuétude. Par contre, si la prière n'a pas été exécutée, tout devient très difficile et aléatoire. Dans le jour de la résurrection, la première chose qui sera jugée dans les actes des êtres humains entre eux, ce sont les délits de sang. Et le prophète a laissé une tradition où il dit que quiconque n'a pas commis de délit de sang, il est à l'aise le jour de la résurrection. Il faut se rater. Il est à l'aise. Il Voilà. Mais à partir Oui, du c'est quelque moment où chose vous de... avez commis un acte de sang, les gens, votre passage au jugement devient très 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 difficile et pointilleux. Et Oui. pointilleux. Et vous savez qu'il y a une autre tradition, Même si vous avez bien même si vous avez pratiqué bien. la Ah prière, le jeûne, les cinq Ah oui, prières. parce que le prophète un jour a Sans... répondu à sa femme, Aïcha radiallahu anha, Oum al-Mu'minin, qui avait posé la question sur la manière dont nous serons jugés le jour de la résurrection. Est-ce qu'il s'agit d'un jugement détaillé
ou il s'agit juste d'une présentation globale de ce que vous avez fait dans votre vie? Bon, la présentation, si elle est pointueuse, détaillée, etc., telle que c'est cité dans Sourat Zilzala, Mitra Dallatine, quelle que soit la valeur de nos actes, ne serait-ce que oui, un atome. Oui. Quoi. Si nous sommes jugés au détail, personne n'échappera à la punition le jour de la résurrection. Et la cité, c'est quand même tout à l'heure le verset. Bon, mais les Hadil Kitab, il a eu l'émission. C'est un livre, qui oui. Est... donc ce livre, qui ne laisse rien. Mais la clémence divine voudrait que le jour de la résurrection, pour ceux qui ont été pardonné par Dieu, évidemment, dans l'éternité, ce sera hard, ce qu'on appelle hard, juste une présentation pour que l'individu sache que rien n'a échappé à la science divine, à sa vue, à son oui, etc., que tout a été codifié dans le livre des actes, etc., mais Satanahu fil dunya wa yasturahu fil akhirah. Il va lui dire, voilà ce que tu as fait, je t'ai pardonné ce que tu as fait parce que tu as fait autre chose, etc., etc. Et tu es conscient que tout a été noté, bien noté, que tu reconnais l'avoir fait ou ne pas l'avoir fait en fonction, évidemment, des obligations ou des interdictions, etc. Et puis, j'ai voilé aux êtres humains tous tes défauts et tes fautes dans la vie terrestre et je continue à le faire le jour de la résurrection. Mais tout individu qui sera questionné dans le détail perdra au compte final parce que il a dit c'est pour ça qu'on appelle aussi ce jour Yawmul Fadh. Voilà, le Fadiha, c'est quoi? C'est être désavoué, être devant l'assistant, d'être mis à nu, si on peut utiliser. Voilà, mis à nu, comme il y a une émission qui s'appelle, vous êtes mis à nu devant les gens. D'ailleurs, le prophète m'a dit à Aïcha que nous serions ressuscités nus, et elle a posé qu'on serait nus les uns à côté des autres. On est tellement préoccupé par son sort. Voilà. Et alors, je reviens. L'être humain, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa fortune, etc., présente une sacralité parce que d'abord, c'est une créature divine. Nous n'avons pas à attenter sur un certain nombre de paramètres qui le résument dans l'essentiel, même si on peut détailler chacun des paramètres. D'abord, la vie, qui est là sous le vocable d'Ima'akum, c'est la vie de l'être humain. Qu'elle soit une vie globale, ou que ce soit une vie partielle, que ce soit une vie qui est encore, si vous voulez, rattachée à cet être, ou qui est séparée de lui. Alors je donne des exemples. On peut me dire qu'il est interdit de tuer, mais il est permis d'amputer. Non, il n'est pas permis de tuer, mais il n'est pas permis aussi d'amputer quelqu'un, même d'un doigt. Que l'individu le fasse, le fasse sur quelqu'un d'autre ou le fasse sur lui. Si un certain nombre de nos jeunes ont vu, par exemple, dans un certain nombre de documentaires provenant du Japon, des samouraïs se couper un doigt par punition vis-à-vis d'eux-mêmes parce qu'ils auraient commis un impair dans leur culture, etc., c'est quelque chose qui est interdit c'est dans notre culture rituel, parce que votre corps ne vous appartient pas. Oui. Il appartient à celui qui l'a créé. Donc, la même chose, un être est sacré lorsqu'il est vivant, mais il est sacré même lorsqu'il meurt. Et lorsque vous l'enterrez, vous n'avez pas à profaner sa tombe. Oui. Et même lorsque vous ôtez une partie d'un être humain, par intervention chirurgicale ou par accident, etc., cette partie qui a été coupée de l'être vivant conserve sa sacralité. Vous n'avez pas à la jeter avec le reste des ordures ménagères, etc. Une amputation d'un pied ou même d'un orteil ou d'une oreille ou d'un nez doit être enveloppée dans un chiffon ou mis dans un sachet et enterrée en périphérie des cimetières, etc. Par conséquent, la sacralité, et c'est pour ça que le prophète a je pense, entre autres, à utiliser le terme Yohannes, pour rappeler que la sacralité de l'être humain concerne tous les êtres humains. N'imaginez pas, les musulmans, que vous êtes les seuls à faire partie de ce sacrement et que les autres, vous pouvez faire ce que vous voulez d'eux. Vous avez des limites à respecter, même vis-à-vis de ceux
et qui vous sont ennemis. Wa la yajrimannakum shana'an wa qawmin alla ta'dilu fa'dilu huwa aqrab lit taqwa. Même si l'inimitié ou la haine, l'animosité envers un peuple ne vous entraîne pas à être injuste, la justice, c'est véritablement l'équité, c'est la véritable foi. Et la vérité doit se faire vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de ceux que nous aimons, mais vis-à-vis des musulmans globalement, vis-à-vis des êtres humains, etc. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, l'a montré de manière parfaite. Vous m'avez posé en préambule un discours, la portée du discours religieux. Le prophète, alayhi salatu wasalam, était tellement respectueux que je vais donner deux exemples. Il savait l'importance de sa personnalité vis-à-vis des musulmans qu'il écoutait. Et que peut-être lorsqu'il leur parlait directement, il serait dans un état psychologique, ne pouvant pas rester, si vous voulez, serein. Il serait emporté par leur foi. Il avait ce geste qu'il faisait, il mettait sa main sur la poitrine de celui à qui il parlait. Et ça le rassérénait par cette proximité. Ce n'était pas un discours verbal uniquement, mais c'était aussi un geste, et c'était une proximité corporelle. Mais autre chose aussi, une fois dans une expédition, en voulant faire en sorte que sa chamelle aille plus vite, il avait pris évidemment ce qu'il avait à sa disposition, une baguette pour frapper les flancs de la chamelle pour qu'elle aille vite. Évidemment, les gens dans une expédition sont proches les uns des autres. Et il avait touché la cuisse d'un compagnon en voulant frapper sa chamelle. Et quand il a senti vraiment, après le discours d'adieu, dans les dernières semaines de la vie du prophète Hassan, quand il a vu la maladie pesait sur son corps et que sa fin était proche, il est sorti au niveau de la mosquée, évidemment porté par l'imam Ali et Al-Fadl ibn Abbas, et entre autres, il avait demandé que tout individu qui a estimé qu'il avait été injustement lésé corporellement par le prophète, qui se présente. Et là, un compagnon, il veut dire, moi, j'ai reçu ce coup et je voudrais obtenir réparation. Et le prophète a dit, je m'exécute. Voilà mon dos. Et et là, le compagnon, évidemment, n'avait pas l'intention de frapper le prophète, mais simplement d'être en contact directement avec sa peau pour mériter sa proximité. Donc, mais l'être humain n'est pas uniquement respectable dans sa vie, il est respecté aussi dans ses biens, il est respecté dans sa moralité, son honneur, c'est-à-dire... Là, nous sommes dans les cinq vocations, les cinq objectifs majeurs dont nous avons parlé. Voilà, vous n'avez pas apporté, évidemment, et vous savez que dans la loi musulmane, en particulier lorsque quelqu'un profère des mots d'accusation gratuite sur nous avons déjà parlé d'un verset du Coran, surat al-Nisa, qui a été révélé à cause d'un juif qui a été accusé injustement de vol. Oui. Et par un musulman. Oui. Et un verset du Coran a été révélé dans la sourate An-Nisa. Inna anzalna 'alayka al-Qur'ana litahkum wa la takun lil-kha'inina khasima. Donc c'était tout un verset. Nous t'avons révélé le Coran afin que tu pratiques l'équité. Que tu juges entre les gens, voilà. Oui. Et ne défend pas les traîtres, parce qu'un musulman avait accusé à tort un juif, il avait volé un bouclier, je pense, un bouclier, il avait caché dans la maison d'un juif, et le juif a été accusé injustement, un verset qui a été révélé pour disculper le juif, et fustiger le musulman qui l'avait accusé, donc pour justement ajouter de l'eau à donc je voudrais terminer rapidement que cette honorabilité et cette sacralité de l'être humain peut-être dans l'esprit de certains passe au second plan par rapport à la sacralité du mois de Ramadan, la sacralité du c'est mois ce que du pèlerinage, beaucoup de gens, voilà justement. La sacralité de la Kaaba, alors que Omar ibn Khattab radiallahu anha, en voyant la pierre noire et la manière dont les gens, à l'époque déjà, se bousculaient pour embrasser cette pierre noire, il a parlé, mais c'était un discours dirigé aux êtres humains qui l'entouraient, aux musulmans qui l'entouraient. La pierre n'a pas pour vocation d'entendre les propos de Omar, radiallahu anhu. Il lui a dit, toi, pierre noire, si je n'avais pas vu le prophète s'y faire et s'exécuter en t'embrassant, je ne l'aurais pas fait, mais sache que ta valeur est moindre que celle
d'un de ces êtres humains qui sont en train de se bousculer pour t'embrasser. Et le prophète aussi. Et le prophète, évidemment, vous les véhiculez, attention, ne faites pas une échelle de valeur qui est faussée. L'être humain a une valeur importante, l'être humain est la création divine, respecte-le dans tous ses paramètres, que ce soit sa vie, que ce soit son honneur, que ce soit ses biens, etc. Et là, c'est la première recommandation qu'il avait faite dans ce discours d'adieu, qui doit rester pour l'éternité, comme étant le véhicule bien avant les défenseurs des droits de l'homme, bien avant la charte des droits de l'homme. Toutes ces chartes qui voudraient qu'il n'y ait pas diffamation, qu'il n'y ait pas atteinte, qu'il n'y ait pas corruption, qu'il n'y ait pas ceci, qu'il n'y ait pas cela, malheureusement. Oui. Et le prophète justement a dit la destruction de la Kaaba est moins grave aux yeux de Dieu que par rapport à la mort à l'assassinat d'un pas seulement la Kaaba, les cieux et la terre, les awal wa samawati wal ard ahwan 'inda Allah min qatl mu'min bari'in wahid. Voilà. Un seul croyant innocent. C'est dire que il y a une échelle des valeurs qui n'est pas tellement. Et je dirais plus loin, c'est pas uniquement attenter directement dans la mort de quelqu'un. À la vie. Vous même si vous aidez verbalement, vous orientez quelqu'un vers une incitation. En faisant un discours, en faisant un serment, vous poussez les gens à commettre un crime. Même si vous taillez, comme le disait nos ulama, vous taillez le crayon par lequel le tyran a donné ordre d'exécuter quelqu'un d'innocent, celui qui a taillé ce crayon sera responsable et sera puni le jour de la résurrection. Mmh. Et celui qui a aidé par un seul mot à l'assassinat d'un innocent, il rencontrera Dieu écrit sur son front. Désespéré de la clémence de Dieu. Voilà. ça fait très peur. Il y en a beaucoup qui seront malheureusement. Ça fait froid. Il y a quelques jours seulement, je regardais un grand da'ia musulman que j'apprécie beaucoup personnellement, qui est le Djifri. Qui parlait justement. On a parlé justement de tous ces savants ou pseudo-savants ou demi-savants qui, par leur discours, incitent au meurtre et qui sont de ce fait condamnables au même titre que ceux qui ont accompli des meurtres. Il y a justement cette histoire de l'Bout et de l'Arham qui revient, etc. Donc, El-Jifri a dit nous sommes très très contents quand nous rencontrons des gens dans la rue et que ces gens nous disent c'est grâce à vous qu'on a compris, c'est grâce à vous que nous avons pu profiter de cette guidance, Hidayat Allah. Mais il a dit combien de gens y a-t-il qui, à cause de nous, se sont détournés de la foi. C'est ça. C'est un problème. Honnêtement, ça dresse le poil sur le corps parce que c'est vrai. Par un seul mot, en parlant de discours religieux. Un da'i est une arme à double tranchant. Oh oui. Voilà. Et il est possible qu'il, comme vous l'avez dit, qu'il guide les gens dans le droit chemin, qu'il fasse des hommes vertueux, de bons croyants. Mais il est possible aussi qu'il les détourne carrément du droit chemin, qu'il peut faire d'eux des criminels, hein, et ça s'est passé. Oui. Des gens qui ont commis des crimes, des massacres. La secte des assassins, les Hachachins. Ils faisaient partie des Ismaïliens. Encore ces gens-là étaient hors de l'islam. On ne peut même pas les considérer comme un groupe dévoyé musulman. Simplement, moi j'aurais voulu attirer l'attention que ça ne concerne pas uniquement les personnalités importantes dans la société. Vous savez, quelqu'un qui rentre fatigué chez lui par des heures d'embouteillage, de travail, de tracas, et puis sa femme vient lui dire, écoutez, le voisin a fait ceci et cela vis-à-vis des enfants, et peut-être que dans un moment de colère, en plus de sa fatigue, il peut porter un geste malheureux. Commettre l'irréparable, donc il faut attirer l'attention que nos propos, même parfois domestiques et tout à fait banaux, peuvent... Il y a eu récemment, par mort d'homme, dans une histoire de parking,
Par ailleurs, ces gens devaient être très intelligents. Un refus de priorité, un refus de place de parking. Malheureusement, un mot peut entraîner un autre. Et c'est pour ça que le prophète insistait, toujours dans ses recommandations, par ailleurs, de ne jamais se mettre en colère. Et si on devait se mettre en colère, de faire en sorte de tout de suite rabaisser les... De faire passer justement la colère. Le plus fort n'est pas celui qui assomme les gens à coups de poing, je traduis à la volée. Voilà. Mais c'est celui qui se maîtrise au moment de la colère. Alors bon, donc les premières recommandations du prophète sont on ne peut plus universelles. Ne pas porter préjudice à l'intégrité physique et ne pas porter atteinte au bien de l'être humain. Bon, l'honneur, ça viendra ensuite parce que nous allons citer un certain nombre de choses qui y auront justement trait à l'honneur. Donc, par ces deux premières recommandations, amis téléspectateurs, nous arrivons au terme de cette émission. Nous poursuivrons la semaine prochaine et d'ici là, nous vous disons نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci, messieurs. Thank you.